Oh, t'es contre le même. C'est cool, tu sais que tu vas aller chercher le limon, quoi. Du coup, est-ce que tu gardes Pisteur ou tu le relances? Je garde Pistage, mais pas Pistard. Ok, ok, ok. J'ai envie de l'agresser. Ouais, je comprends. Ça me va, ça me va. C'est un peu bof comme main, du coup. Un petit peu bof. Alors, du coup, il est en train de faire, il est en train de faire un petit tweet là. Prêtre, c'est des baltringues. Ah bah merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Bon, prêtre, c'est des baltringues. De toute façon, il a tout à fait raison. C'est parce qu'en fait, quand je jouais à Viana, ouais, à l'époque, bah, prêtre, c'était la classe easy win. Genre ouais, vraiment, c'est gratos parce qu'il jouait rien. Du coup, t'avais tout le temps, de, même si t'avais pas le truc qui était fait. Les contrôle aussi, c'était bien. C'est ça. Et du coup, bah, je disais toujours, bah, les prêtres, de toute façon, c'est des grosses baltringues, on s'en fout, on va les relever dessus, tu vois. Voilà, ça vient de là. King Crush est quand même assez cheaté dans ce match-up. Ah ouais, ouais. Plus que les deux bombes. Attention, qu'il peut jouer géant, attention. Il peut jouer géant, effectivement. Ah ouais, ça fait peur. Hein. Ça fait un peu peur. C'est clair. Tu cherches inspiration pour ton tweet. Ouais, ouais, ouais. Dire que tu vas faire top 1. On va faire top 1 pour l'exclamation. C'est tout. Pourquoi? Attends, il a switché, t'as coupé ton cul, la prison. What? Non, mais vrai, on a bien fait de prendre la bombe araignée, du coup. Et qui plarme, du coup, non? On s'en fout du repower, je sais pas. T'as peut-être une bombe au prochain tour, ouais. Bon, là, un peu, bon, Hero Power, si la brise, ça sert à rien. La mort arrive. Et non, Broken, on n'offre pas de suite. Par contre, tu pourras en acheter un dans la boutique si tu veux, Broken Soul. Y'a pas de problème. Y'a pas de soucis. Ah! What? Ah! Ah oui, lui, il est venu se foutre de ta gueule, en fait. T'as le Pisteur, c'est peut-être mieux que la... Ouais, c'est sûrement mieux que la bombe, en vrai, Pisteur recousu ici, j'imagine. Si, ouais. C'est sûrement mieux que la bombe. Il nous faut quoi? Il nous faut... Je sais pas ce qu'il nous faut. Terrible, Katrina. Ouais, j'ai presque envie de dire que c'est ton meilleur espoir. Tu tiens avec les Grizzlies derrière tu Katrina pour essayer de comeback, quoi. Ouais, je pense. Hein. On a perdu King Crush. T'as perdu le King Crush, mais il restera. Le truc, c'est que t'as les deux Grizzlies dans la main, donc il reste plus que deux bêtes dans le deck. Mais bon. Je tape là-dedans, je pense. Ouais, ouais, ouais. Parce que lui, il va traiter son KD7, j'imagine. Ah non, mais les mecs, ils counter Q comme ça. Vraiment, c'est des gros enculés, quoi. Ouais. Mais remarque, t'as eu les Grizzlies Ziliac, c'était pas les 6 mauvaises cartes dans le match-up, hein. C'est pas les pires, mais bon, le KD7 là, le KD7 il est absurde. Le KD7 il est tellement surpuissant. Ouais, j'avoue. Oh, what? What? T'as rien en face. Incroyable ce qu'il est en train de nous proposer. C'est cool en tout cas de voir qu'il joue autour de frappe latérale. C'est vrai qu'il est pas des bêtes. Des cas, ouais. Ouais. Grave. Attends, si tu fais bombe, elle va rien tuer. Bah, je peux faire bombe, taper là-dedans et aller face avec la 2-2. Je peux ne pas faire bombe, je peux faire aéroport, mais ça complique rien quoi. Je suis d'accord, mais là, en tout cas, là je pense que la 2-2 elle part dans la 3-2. En fait, si je fais pas bombe maintenant, je le fais quand? Bah, en fait, le truc, c'est que lui, il a la pièce en face. Ouais, il peut pièce machin. Non, ouais, je pense que c'est bombe et trade. En fait, c'est pas grave, c'est juste que je le force à trade pour pas qu'il fasse. En tout cas, ouais, il fallait trade. Bombe, pourquoi pas? Mais en tout cas, il fallait trade, je pense, c'est clair. C'est juste le fait, vu que j'ai déjà mes tours 5, en fait, je me dis, bon, c'est quand même probablement meilleur. En vrai, c'est dommage de perdre la bombe, effectivement, mais. Ah, mais c'est le même deck en fait! What? Hein? Je comprends rien à ce qui se passe. T'as des quoi? Bon, il t'a pas pris de Tokyo, ou quoi? Mais attends, c'est un Zo qui joue Crâne du Manari au top 100? Non, il a dû changer de deck, c'est pas possible. Mais non, c'est le même. Mais regarde le nombre de tours 1 qu'il a. Je suis d'accord, il a rien joué tout à l'heure. Alors, il a eu une très mauvaise sortie tout à l'heure. C'est impossible, je sais pas, c'est bizarre. Mais je sais pas. Il a joué la 4-5 effectivement tout à l'heure. Oui, il avait la 4-5, mais la 4-5 elle est jouée dans certains decks cubes, en mode pour les paladins et tout. Oh ouais, bah je comprends. Putain de merde quoi. C'est trop chiant. Il aurait juste pas eu ce putain de KD. C'est pas grave qu'il ait une sortie de ouf avec un tour 1, un tour 3, non, etc. Mais juste le KD7 ça change tout. T'as fait mal au boule, hein. C'est pour ça, je pense. Pour un cube, hein. Si on l'a, ouais. Et derrière, tu peux œuf aussi avec. Canaïs. Argus. Alors, il y a le limon aussi. Hein. Limon, hein, limon. Ouais, limon, nique. Hein. Non, limon. C'est cool, limon. Oui, c'est quand même. Voilà, il a eu juste une. Non, même donné, une 2-4. Je pense qu'il y a quand même des gardes funestes et des 3-9 dans en le gros, deck. En gros, il a payé 5 mana pour une 2-4. Ouais, c'est ça. Vu qu'elle est sous KL7, ça va encore, mais. Il a tické son deck. Oui, c'est ça, il a fait le spécialiste. Il a tické son deck pour te niquer, il a mis KL7. En vrai, ça se trouve, il en a plusieurs. Ça se trouve, il s'entraîne pour du spécialiste. Hein. On est en top légende. Hermès, c'est pas un mec qui. Voilà, qui... C'est un joueur sérieux, on peut le dire. On peut en parler. S'il envoie tout, je fais un DK, je le vois sans Pluton. T'as un sacré DK là, hein. Putain. Et tout Katrina en plus. Katrina qui va ramener du lourd en vrai. Hein. Parce qu'elle ramène forcément une carte qui charge ou qui ruée. C'est ça. C'est vachement cool. Ondasta, c'est le top. Ondasta c'est bien si j'ai parce que en fait j'ai l'impression qu'on est dans un match-up où on a besoin de trade tout le temps. Du coup Ondasta c'est top parce que ça ramène Grizzly et bah 3-12 quoi quand même. Quand quelqu'un dit on est dans un match-up, j'entends toujours la voix de Fichou qui dit polarisé dans ma tête. Ah. C'est terrible. Franchement je suis traumatisé toujours. Ok, nickel. Pourquoi pas. Bah Ondasta hein. Oh
Enfin, je l'adorais, je l'adorais. On a deux quatre là. Oui. Non. Aïe, aïe, aïe. En vrai. Pas de chance. Voilà. On pas de chance. Bien, on est quand non, même c'est, bien. C'est toujours bien. Puis bah en fait la deuxième Katrina elle sert pas à grand chose parce qu'il suffit qu'elle meure et ça ramène forcément ouais, d'Astak. L'avantage c'est que si elle meurt pas au moins tu peux jouer directement Katrina quoi. C'est ça. Katrina. Ouais. C'est value aussi. De toute façon j'ai souvent l'étal au prochain tour. 6, 12, 13. Il faut qu'il stop. Et il peut pas jouer de 3-9 sur ce tour en plus. Ouais. Parce qu'il non, a plus Abias. Il est mal le man. Ouais on est bien, on est bien. Alors. Coucou Torque, je me disais que comme émission spéciale sur la télé chaque semaine, tu pourrais faire contre un streamer ou un viewer un duel précis. Sur un thème précis de type full légendaire par exemple. C'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal. Tu pourrais appeler l'émission duel incongru toutes les semaines. Je l'avais déjà faite. Ah ouais, ouais. Mais on peut refaire un truc dans ce goût-là. On peut refaire un truc dans ce goût-là, effectivement. Alors. Attends, ouais, bah Katrina. Katrina, ça ramène Ondasta. Tu le fais. Oh. Parce que là, il reviendra jamais à moins de jouer un héros distordu. Je peux avoir une chouette là-dedans. Ouais, parce qu'il avait la 3-9, hein, c'est probable. Enfin, en tout cas, j'espère pour lui qu'il a 3-9. Le duel polarisé, exactement. Ça, le duel pas, polarisé. De l'émission de Pichou, le duel polarisé. Bon. Katrina, c'est quelle extension déjà? C'est quelle extension Katrina? Ça date, hein. Ça dégage. C'est ouais, ça bois maudit, non? Ouais, ah, ça vient de la forêt donc j'imagine. Attends, le chat, va savoir, le chat, il connaît toujours ces infos là, le chat. C'est quelle extension déjà, le chat, Katrina? J'ai mon truc qui se relance à chaque fois tout seul, ça m'énerve. Mon iPhone c'est de la merde. Oui, Katrina part, c'est sûr, mais c'est quelle extension? C'est 2017, ouais, c'est ouais, sûr. Non, mais c'est dégage de quoi? C'est la question. C'est quand même les catacombes? Ah, bah très bien. Elle est telle ou pas? Non, je crois pas. Ah ouais, trop tonte, je peux avoir une chouette là-dedans. Tu balances Undasta. Prends le loup, peut-être ça peut. Ça rend. Ouais, ouais. Vas-y, prends. Tu peux faire... Je peux faire ça plus Argus. C'est pas mal, non? Attends, parce que Undasta peut te la ramener avec. En vrai, peut-être qu'il y a ça pour optimiser avec ça. Ah, mais elle va tout à droite. Ouais, j'avoue. Tu veux faire frappe latérale Argus? Je peux, hein. Frappe latérale Argus et ça va tout à droite, par contre. Mais... Ouais, on s'en fout que ça aille tout à droite. C'est juste que ça te met plus de bord. De toute façon, il va jamais tanker là. Attends, pourquoi j'ai un l'étal? Non, y'a pas l'étal. Voilà. Ah si, t'as mis l'étal en fait, si. Pourquoi? Bah, t'avais juste à mettre. Undasta et Ziliax dans le taunt. Et tu faisais frappe latérale sur le 1-3. Et t'avais Katrina qui allait face, genre par exemple. Je crois. Attends. Oui, c'était la merde. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, ah, il y avait l'étal. Eh ben d'accord. Ça va changer grand chose. Remontez, y'a pas l'étal et. Ouais, non, mais j'avoue que. Attends, c'est comment? Comment tu faisais? Attends, il me semble, hein. Attends, t'as envoyé quoi toi? T'avais Katrina, t'avais 3 créatures, ok? J'avais l'autre Katrina, ouais, t'avais 3 créatures, 4 créatures sur le board. Ouais. Donc tu faisais. Oh shit. J'ai un doute maintenant, mais. Non, ça va, t'as une créature qui survit. Ça devrait aller en vrai. Ouais, ça. J'ai un doute maintenant. Je me rappelle plus ce qu'il y avait exactement sur le board. Mais on s'en branle de toute façon. Allez hop, buveuse de vie. Ours. Ça, on a pas de chance. Prends le tigre. On le joue maintenant, genre. Ah ouais. On peut œuf et Diablozor aussi. Ouais, ouais mais la créature me paraît très fort, surtout qu'il te reste 2 cubes dans le deck. Donc en vrai, si. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'as tellement de chance de piocher un cube au prochain tour. Ça me paraît bien. Après, là, le problème, c'est que s'il te fait Gul'dan, c'est chiant. Au final. Ouais. S'il fait Gul'dan, c'est un peu relou. C'est vrai. S'il fait une 3-9 de son deck, tu peux toujours essayer de le. Ok, ça, c'est bon, ça, on est content, ça. What? Ça, on prend ça. Ça. Oh merde, c'est chiant ça. Du coup, qu'est-ce qu'il peut me donner l'étal frappe latérale? Frappe latérale. Cube. Cube, non. On commence par une bait, hein. Silence, c'est l'étal. Voilà, c'est l'étal. Allez hop! Top 50, le Willow! Wouh! Incroyable! Non, je suis pas sûr qu'il y ait des étals. Ça me paraissait pas, ça me semblait pas. Après. Non, mais en fait, je sais juste pas combien il y avait de tâches sur le board. Aïe aïe aïe. Ah oui, non, je pensais que tu gagnerais plus de place, bon, c'est pas grave. Ouais, bah en fait, c'était du 20 par 20, mais là, ça devient du. Ouais, ouais. Après, je reviens à 4-7, cette place. Non, après, souvent, tu fais 3-4 pendant 3-4-7 places pendant 2-3 games. Ouais, après, tu et prends d'un coup. Tu prends 20 d'un coup. Ouais, bien sûr, bien sûr. On le connaît, le ladder stone. On va dire qu'il fait souvent des trucs assez bizarres, quoi. On le connaît bien. Alors. Go 51, c'est l'heure de l'apéro. Oh non! Paladin, on est pas content. T'as quel est 7? Ah, regarde, quel est 7 Rexar du coup là?
Bah après, si c'est pas un aggro, Rexar, c'est si pas. C'est pas un aggro, t'as un bon match-up, non? Si c'est pas un aggro, je garde tout. Ouais, mais bon, non, on va virer Katrina, je pense, à mon avis. Ah, c'est. Katrina, c'est stylé quand même. Y'a que des aggros. C'est vrai que c'est souvent. Y'a que des paladins impairs. Allez, vas-y, c'est soyons pas crédules. Ne soyons pas crédules. C'est bien ça. C'est pas mal. Le mieux, c'est Arc Corne d'Aigle. Oh, pas Arc Corne d'Aigle, Candle Shot, c'est Arlark, c'est ça. Ah, c'est du père. C'est du père, intéressant. Il jouait quoi, Hermès, déjà? Ah, c'est ton pote maintenant? Bah, c'est pas mon pote, mais il s'est excusé et tout, du coup, je me dis. Ouais, vaut mieux d'avoir un pote qui en ennemi. Ok. C'est quoi? C'est des jeux quoi déjà? Il jouait démo cube. Démo cube bizarre. Ouais, démo démon, ouais, c'est ça plutôt. Ouais, je... Putain! Oh là, le Wello qui pactisait avec l'ennemi, quoi. On le salue, évidemment, d'un groupe feu, apparemment, le nouveau frérot. Alors, non, la make-up demain, c'est 14h-19h. Ouais, 14h-20h, la biscotte qui gratte. 14h-20h et à partir de midi pour ceux qui veulent venir dans le public. Voilà. Tout simplement. Est-ce qu'on fait. Ouais, c'est un report, non, plutôt. Bombe trade. Que c'est, la transable. En fait, ça bloque son capte-talent, ça bloque pas mal de trucs. Après, équiper l'arme pour le capte-talent, c'est pas mal aussi. Je peux tu faire pas vraiment capte-talent parce que du coup, il y aura un qui pourra potentiellement prendre la bombe, quoi. Donc. Bah, un prend pas la bombe, elle est 2-2 la bombe. Non, je suis d'accord, mais si mes capte-talent et que tu veux. Sur capte-talent, c'est mieux ça. Ouais. Je préfère en vrai. En fait, capte-talent, c'est vraiment la carte horrible dans le matchup pour moi. Et tu vois, là, si capte-talent, tu peux juste taper avec Cyril Arc et faire le latéral, c'est encore mieux, quoi. Bah c'est ça, bah c'est pour ça que c'est mieux ça. En fait, c'est parce que justement, Capte Talent, c'est l'une des cartes dont j'ai le plus peur dans ce match-up là, parce qu'il peut la buffer et tout, et ça devient infernal, que du coup, ce play-là est un petit peu meilleur. Et là, j'ai l'impression qu'on a bien anticipé. Voilà. Yes, let's go. Ça part de là, le top 50, les gars. Oh là 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 là. Non, mais les gars, on est beaucoup trop chaud aujourd'hui. Dites-nous sur le chat le rang qu'on aura à 20h. C'est vous qui allez deviner et le gagnant repartira bien entendu avec une voiture Nissan voilà par notre ami Carlos qui nous l'a offert. Merci Carlos. Top deck un petit limon limon glouton là. Un petit limon glouton. Non mais c'est top en oui hein, top. Ouais, c'est pas fou ça. Non, c'est pas grave. On joue la bombe ou pas? Non. On peut juste cube hein. Ok. En vrai, j'ai juste pas vraiment envie de perdre le board. En fait. Non, mais cube je trouve ça ultra legit comme tour. Top 1, top 500, 139, 22. Retenez bien, on va tout retenir. Merde. Ça va. Un stack, on est content. Okay. Putain, je me demande comment je vais faire. Oh, c'est marrant parce que le fait qu'il ait joué ça d'abord, ça me fait chier parce que c'est lui qui revient à la vie du coup. Mais je fais quand même. Hein. Mais attends, dans ce cas-là, si tu tapes dans la 1, ou en tout cas, si tu penses que c'est rédemption. Comme ça, ça peut être rédemption, mais là, vu son board de merde, je pense pas en vrai. Comme tu le sens. Au pire, en test. Hein. Ouais, allez, hop, voilà, ça c'est fait. Noble sacrifice. Bah, noble sacrifice, c'est dans tous les cas. Là, on a le Wello complètement décomplexé là. Là, clairement. Attends, je vais RT. J'ai pas RT non plus. Vas-y. Je vais RT. Non, parce que là, il faut que le monde entier sache que ça soit au courant. Non, mais je suis sûr qu'il y a aussi des gens dans le chat qui sont pas responsables et qui ont pas RT. Ah, bah, c'est sûr qu'il y en a. Dénoncez-vous les gens qui n'ont pas RT sur le chat. Dénoncez-vous. Je confirme, il y a pas 1200 retweets sur ton tweet. Donc, effectivement. Je confirme, ils sont pas responsables. L'OLHS Twitter les gars, dernier tweet il faut. Ah bah oh, pile au bon moment toi dis donc. C'est pas fou. Est-ce qu'on tente la bête ou est-ce qu'on fait ça? En vrai ça c'est quand même pas mal hein. Ok bah la bombe araignée elle était vraiment importante. Je sais pas si je tape. Je pense pas, t'as setup la bombe. Parce qu'en fait je me dis. Ouais non vas-y. Non je pense pas. Je pense pas. Et c'est du coup le solaire que tu portes, ouais c'est ça. Exactement. Bah je n'ai aucune obligation. Ah bah c'est pas grave, si vous pensez que vous n'avez pas d'obligation c'est pas comme si je savais où vous habitez. Non j'ai qu'à tranquille, tout va bien se passer. Oh non. Ah lui. Non. Ça se passe pas bien. Ça dépend, si t'as Ounda, ça prend le trade au moins quoi. Bah ils prennent tous le trade globalement, pas Grizzly. Ouais, Devilosaur ça prend le trade aussi. Devilosaur c'est le meilleur parce que c'est celui qui prend moins de dégâts. Ouais, absolument. Parce que King Crush il est 9-9 et Ounda Star il ramène pas de bête. Ah, donc Devilosaur c'était le meilleur ici. On est content. Je pense que je garde le stack d'armes et je profite du fait que lui il est hard attack parce que l'arme c'est la dernière donc c'est pas sûr que je l'aurai tout le temps. Là par contre, maintenant qu'il a claqué toutes ses menaces, maintenant je pense que je suis assez à l'aise. Le vieux envoyant la PRT. Quoi? Le vieux envoyant la PRT. Sérieux? Destrier. Ok. Je vais vérifier. Ah, j'ai été retouté par Armatim. Ah, incroyable. Ah, ça fait plaisir. Trade. Découvre une bête. Quoi? Découvre une bête. Une bait. Ah, découvre une bête. Une bait. Pardon, j'articule pas. N'hésite pas à articuler, oui. C'est ce que j'allais dire.
Ah, tu peux poser le gastéropode, aller voir sur le board avec Lyd. Et du coup, tu trades. C'est fort, hein, ça l'empêche de développer ces trucs. Hein. C'est vrai. Ça me plaît. De toute façon, c'est toujours fort d'essayer à poids, hein. Faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. De toute façon, elle allait arriver tôt ou tard. Là, l'idée, c'est juste que. Oh là là! Yes! Là 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 yes! Là top 50! C'est le top 50, ça. En plus, c'est les 69e! Attention! Oh oui! Oui let's go! Oui ça part de là, les gars! 37, 37. Tous ceux qui ont pronostiqué top 1, les gars, il y a moyen que vous repartiez avec un max de booster à la fin du stream. Je vous le dis. Ceux qui ont. Les faux viewers, évidemment. Les escrocs sur le chat qui ont pronostiqué. Voilà, je vois du top 217, du top 1000, top 783. Voilà, tout ça, ça c'est des viewers moyens, bien entendu, qui connaissent pas trop. Mais le top 1, je me suis engagé. Vous savez, je n'ai qu'une parole, contrairement à Thorl qui, lui, bien entendu, se défile et sort de l'écran. Sort du cadre de la caméra. Allez, vas-y, viens, on se dit. Encore 3 victoires et on arrête. Quoi ? En victoire, on est top 5. Là, on a pris 20 rangs. Tu peux arrêter. Attends, j'étais combien ? J'étais 56 ou 53, je sais plus. T'arrêtes pas tant que t'es pas top 1. J'ai une bouteille de champagne. Hein. C'est vrai ? Ouais. J'ai deux bouteilles de champagne locaux. Donc si je fais top 1, ça part en... Si tu fais top 1, on te voit la bouteille. Allez, c'est parti. Si tu fais top 1, on te voit la bouteille. Pourquoi ? Ok. Allez. Je t'ai gardé pour une grande occasion, on avait en fait récemment. Non mais j'étais en train de perdre mes couilles, petit à petit à essayer de dire, à essayer de... Okay, Mirror de Hunter, on veut KL7. on veut l'arc, c'est pas mal. Le stream finit à quelle heure? Le stream finit à 20h. C'est ça. Voilà. Encore 2 heures pour faire top 1. Bravo l'alcool au boulot. Bah, attendez, comment ça? En vrai, si à l'arc, c'est vraiment pas mal. C'est bien, si c'est si un aggro. C'est un bête. Et maintenant, Play Dead et Terror Scale, c'est quand même chouette après l'œuf, si jamais j'ai l'œuf. Ouais, mais là, j'ai pas l'œuf encore, donc ça me paraît trop ambitieux de les garder. On va juste jouer comme si c'était un aggro et on va chercher quelle est cette, bien entendu. Ok. Aïe. Pas fou. C'est-à-dire, venir à 10h, on peut être dans le public. Non, c'est juste qu'on ouvre, la mairie, on commence à faire rentrer les gens pour le tournoi à midi, la biscotte qui gratte. Voilà, parce qu'il y a des tournois sur place et tout pour les amateurs, donc tu peux venir et participer au tournoi, et inscription commence à midi. Voilà, tout simplement. Ok. Ah, c'est sûr que ça me sortit, ça. Ah, si j'ai l'œuf, c'est une super sortie, mais si j'ai pas l'œuf, ça sert tellement à rien. Oh, mais non. Oh, quel enfoiré, quoi. Ah. Non, c'est un tour trop tard, ça. Ouais, c'est pas qui revêt. Bah lui, c'était du le pose, hein. Ouais. Frappe latérale, c'est pas mal aussi, mais. Ah ouais, mais là, je pense que je peux pas le battre s'il a son KL7 et pas moi, quoi. Non, mais là c'est moi, okay, je peux pas le battre, de l'avance, quoi, malheureusement. En fait, j'aurais peut-être dû taper là au cas où il est pièce frappe latérale. T'es bon ou pas là, Hearthstone? Si t'es bon à Hearthstone. Je top deck l'œuf au prochain tour. Je top deck l'œuf au prochain tour. En 1-4. Ah, 1-4. Voilà. C'est quoi, c'est. Une chance sur 11. Une chance sur. Ouais, ça c'est une chance sur 17,5. Quel connard. Donc c'est quoi, 12%? 12% de chance? 11% de chance? Ouais. Allez, 12-60. C'est parce que le best-of de Lolo vont continuer maintenant qu'il fait partie d'Arma. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas assez de rush en fait. Il n'y a pas assez de rush en solo. Avant, c'était chaque semaine parce qu'il y avait. Merci pour la fois. On fait un petit tous les deux semaines. D'autres gens. Merci Oxday. Oxday, merci à toi. Merci à toi. Merci, bro. Tu poses le limon? Je pense, hein. Ouais, pose le limon. Et tape quand même. En fait, non, je sais pas, parce que en fait, il peut juste faire pièce cube. Ah, du coup, tu tapes. Peut-être je tape passe en fait. Parce qu'il peut faire pièce cube et ça m'embête énormément. Ok. Bah, pièce cube, dans tous les cas, c'est la hesse. Après, c'est mieux qu'il fasse là-dessus que sur une 5-5, bien entendu, mais. Je suis d'accord, c'est mieux qu'il ait juste pas de cube, hein, parce que nous, on a rien pour l'instant. Nous, on a rien du tout. Non, en vrai, il a la pièce en appel, hein, donc il pourrait on a fait la pire sortie, c'est terrible. À chaque fois qu'on croise un mirror. Ouais, vas-y, Diax, tu vois, là. Ça dit, t'as une bonne réponse sur frappe latérale, mais t'en as déjà une qui est dégagée. C'est chiant. Ton Zidiax, toi, il est ok aussi. Ah! On discute là, non? Ouais, je pense qu'on le fait avec un play dead. Et tu tapes dans la 5-3 quand même. Ouais. Ok, ce qui fait que là, potentiellement, il peut tuer ton œuf, hein, mais bon. Il peut tuer l'œuf, et puis après, bah, nous, on verra. Hein. J'aurais Terror Scale plus Limon Glouton au prochain tour pour essayer de faire en sorte que les 5-5 meurent pas. L'idée, c'est que là, maintenant que j'ai mon œuf, il y a moyen que j'arrive à le rush. Mais il faut y aller sur. Faut jeter sur la bombe un peu et. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde, pas la 5-5 please. Ok, ça va. Ah oui, bon bah ça clean quand même le board, c'est terrible. Dans tous les cas. Putain. C'était chiant. Mais du coup t'as un Grizzly qui éventuellement par contre doit pas être géré. Non? Il y a moyen que ce soit pas géré, mais bon. Le problème c'est que t'as pas de... Ah, c'est pas les bonnes mains qu'on veut, ça. Hein. T'as pas de chance sur celle-là. C'est quoi, c'est Grizzly? Le Grizzly il est 4-5, ça fait 4-8.
Il prend le trade ici, le value trade. Il n'y a pas le clip sur frappe latérale notamment. C'est ça. Non, j'ai manqué le DL7. Il y a moyen. S'il n'était pas sous KD7, je ne l'aurais pas fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, moi, j'ai dû claquer mon tracking pour avoir mon KD7. Lui, il l'a juste eu tour 2. Vous avez pas la même valeur. Il est un peu meilleur que moi. Peter, c'est fort, mais c'est lent. Enfin, ça dépend si t'arrives à avoir ton cube, quoi. C'est maintenant. C'est maintenant pour le cube. Ce serait maintenant pour le cube. Ce sera vraiment le meilleur moment parce qu'il n'y a pas de silence. Donc, un cube sur un grizzly, ça peut vraiment faire le taf. Ce serait le feu. Et Katrina aussi, il faut la Katrina. Allez, le cube, c'est le moment. C'est le moment, les frérots. Le cube. On y va. Repistage. Pistage à nouveau, on le fait bien entendu. Allez, let's go. Oh. Y a Pister, non ? Pister, mais tu veux jouer avec quoi du coup ? Pister, je vais aller chercher un truc. Le truc, c'est qu'il a pas le trade ici dans tous les cas. Parce que tu peux aussi. Bah, je vais chercher un 9 et je le joue en fait. Ok, vas-y, go, c'est parti. Je vois ce que t'en penses. Vas-y, tu sors avec. Ou Katrina, surtout Katrina. Katrina pour le prochain tour, c'est un peu. Katrina, c'est comme très important. Sur Resident. Aïe. Du coup, c'est un peu cube, c'est sûr. Ouais. Mais. Aïe. Du coup, je trade la 4-4. Je pense que je joue la bombe. Pose ta bombe parce que tu pourras peut-être cube la bombe comme ça. C'est ça. Et je trade ça. Et tu trades. Sur DK, il fait DK trade, ça va. Alors, il a plus la pièce, hein, c'est ça. Non, il a la pièce d'Iliax. Il a plus la pièce, il a. Il a la pièce d'Iliax, je sais plus. Ouais, il a la pièce d'Iliax pour la mettre à ta bombe. Ah et... oui, c'est ça. Non, mais en vrai, tu vas peut-être la gagner. Hein. Il y a moyen, hein. Franchement, ah, si là, il tue pas le Grizzly, il y a de fortes chances que j'ai gagné. C'est pas sûr que j'ai gagné, mais de fortes chances. Si tu pas le Grizzly, c'est trop fort ce que tu fais comme tour. Ouais. Please, tue pas le Grizzly. Non, fuck. Oh. Après, ça lui coûte cher. Hein, mais... Ouais, c'est fait un tour de merde, quoi. C'est pas tout des Katrina. Allez. Oh, j'y ai cru, putain. Bon, ça, c'est pas mal, ta roi croche dans la main. Du coup, tu fais quoi? Tu cubes la bombe et tu. Je pense, ouais. En gros, je vais aller face. Ouais. Et je vais... j'aurais bien entendu préféré le faire sur autre chose. Ah, mais... oui. Mais là, l'idée, c'est juste que par rapport à sa Katrina. Attends, si tu fais ça sur le DK, c'est chiant, mais bon. Ouais, mais bon. S'il fait DK, t'es sur... quand même en bien. En fait, sur Katrina, j'ai perdu. Donc, je suis obligé de le faire. Ah, je pense qu'il fallait le faire, je suis en train de réfléchir. Et là, je peux avoir un étoile le prochain tour 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 plus 8, ça fait 23. Est-ce qu'il a Katrina sur piste? Plus l'arme 24. J'ai perfect létal s'il ramène Katrina et s'il joue. Si en fait il clean pas mon board et qu'il se heal pas et qu'il a pas de taunt. Ce qui est impossible sur Katrina, non. Bah non, oh, regarde par exemple ça. Ouais, non, plus s'il le déclenche, ah, c'est bon. Oh là 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 là. Arrête. Oh là là. Alors attention, tu viens la 4-4 hein. Tu peux juste rouler le raccroche aussi, sinon tu sais déjà rien. C'est vrai que c'était pas mal ça. Ouais. Ah, c'est pour BM. Le BM avant tout. Oh là 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 là. Unstoppable. Oui les gars, on va le faire. Top 25. Aïe, la déception. Est-ce que tu veux que je ramène un verre d'eau là, parce qu'un champion comme toi, moi je vais prendre un verre d'eau. Ah, tu vas prendre. Bah pour moi, il aurait pu la quoi? Prune caramel. Avec prune caramel, on a ça nous? C'est les roses? Ouais, c'est les marrons, je crois. Ok, ouais, celle-là, ok. C'est ça? C'est ça. Ok, je t'en que Charon, il est buvé. Tu as une petite serviette avec chaude pour te. Une petite serviette, ouais. Un petit hot dog, s'il te plaît. Merci beaucoup.